Donc salut à toutes et à tous, c'est la fin que c'est avec moi-même, avec The Black Funky qui est ici, les tauliers, l'habitude, c'est Al quoi. J'ai rien compris à ce que t'as dit. Oh là là, oh là là. Les gens ont rien compris à ce que t'as dit. Bien sûr que si. Ah non, 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 non. Votez dans les coms, tout le monde a pu strier. Aïe. Donc ça on y est, une fatigue genre en direct. Non, on se retrouve pour la suite. Du Wolfo sur Naruto... Naruto Shippuden. Putain. Qui se baigne dans le dans la marque. J'en ai marre de ce nom du jeu, ils n'arrivent pas à plus faire plus simple, bordel Ninja Storm de dieu. C'est pas difficile. Bordel de dieu. C'est pas difficile. C'est développé par qui? CyberConnect 2. C'est édité par qui? Namco Bandai, c'est ça, je me souviens plus de Namco Bandai. Namco Bandai. On l'a pas dit, c'est pas très professionnel tout ça. On marche dans l'eau avec des chaussures bleues. Ça c'est le chakra, la puissance du chakra. Ça c'est la puissance des chaussures Geox. Ça. D'abord, en plus, ils ont tous les mêmes chaussures. Tu remarques. C'est Geox. Les mêmes sandales. La chaussure qui respire, même dans l'eau. Donc, C'est pas mal ça, elle respire même dans l'eau. Ils c'est ont bien fait comme... des pubs Geox Amphibox dans Aoshi, Poran, Punju, Nanai, je sais pas quoi. C'est l'endroit le plus vieux du monde. C'est des pubs super stylées. Ah, je connaissais pas ça. Je te les montrerai. Bref, on se retrouve pour la suite. Juste avant d'entrer dans l'antre, dans la Katsuki des méchants. Et ça s'annonce épique, on vous le dit tout de suite. C'est pour ça qu'on va y aller. Go. Quand c'est parti. Oh la tête de con. On dirait qu'il va tuer. Non. Je vais bouffer tes intestins. Ah ouais, alors et les en fait, il y a deux choses. Soit c'est un psychopathe, soit c'est un niais. Mais bon. Voilà. Ou un niais psychopathe. Ça peut aussi l'être, mais c'est plus rare. C'est parti, nous rentrons dans l'antre du caillou. Ikuzo. Ah ouais, ça. Tout le temps dans les mangas, il y a Ikuzo. Ikuzo. C'est tout le temps, ça c'est un truc, c'est un concept, tu vois. C'est le concept japonais du Ikuzo. Chargement. Donc là, il va y avoir des dialogues, du combat épique, du QTE, de la marave. De tout ce qu'il faut. Et là, par contre, ce moment est quand même assez... fidèle. Assez fidèle à l'anime. Ouais. Même au niveau du combat, et ça fait plaisir. Ouais, très fidèle. Ça fait zizir. Il y a tant de choses qui font plaisir. Et là, oh là là, on voit pour la première fois le visage de mec un peu bizarre. Enfin, son visage. Entre guillemets. Entre guillemets. Je ne dirai rien de plus. Parce que là, c'est pas... C'est du spoil. Oh, petit... Sasori Deidara. Sasori Deidara. Avec des yeux très particuliers. C'est ça les plus puissants? Hmm, c'est ça les plus puissants des yeux? Ouais, le... Ah, c'est ça? Enfin, on peut dire que c'est le plus puissant. D'accord. C'est le... je dis le nom? Vas-y. Le Rinnegan. Rinnegan. On n'en dira pas plus. Tu me diras. Il a une particularité sur Rinnegan, mais évidemment, je vais vous le dire un peu plus tard. Voilà, on le saura dans le jeu. Je ne sais pas. J'avoue que là, je sais pas. Si on ne sait pas, je leur dirai à la fin. On verra ça, ouais, voilà. On verra ça. De toute façon, on aura vraiment le temps de reparler du Rinnegan à la fin du jeu. Ne vous inquiétez pas. Tac. Voilà. Petit dialogue. Gaara qui a eu mal dans son être. Qui a souffert sa race. Naruto qui s'énerve comme d'habitude. Il n'est pas content. Comme d'habitude. Donc à savoir que la Katsuki veut Naruto vivant. Hein? C'est ça, puisqu'ils veulent l'extraire le... Oui, ils veulent l'avoir vivant. Donc voilà, parce que s'il meurt, c'est aussi leur objectif, faut pas oublier ça. Ouais, attraper tous les... Les Jinjuriki. Toutes les autres. Donc, forcément... Voilà quoi. Il se tarie, et ben il ferait mieux de se taire. Deidara a appelé la mèche blonde dans le métier. Non, la folle. La folle mèche blonde dans le métier. Son tic de langage là, c'est n'importe quoi. Il dit quoi lui déjà? Ah oui, oui. À la fin de ses phrases, c'est pas le Datebayo, c'est le. C'est encore pire que Datebayo. Donc là,
séparation. Kakashi et Naruto vont poursuivre Deidara. Bah, surtout Naruto qui fait le con et qui fonce sur lui. Oui, bah c'est Kakashi. C'est Naruto quoi. Donc Kakashi va le suivre pour éviter les problèmes. Et là, on les laisse en feu. Les premières lanceuses. Et oh, Kakashi va utiliser un truc trop stylé. N'est-ce pas? Mais on dit rien de plus. Et grand-mère Shio. C'est la surprise. Surprise. Grand-mère Shio va régler ses comptes avec sa souris. Des sables rouges. Et oui, puisqu'ils se connaissent. Tu vois, fais-toi la bouche. Bah, comment est-ce possible? Ah oui, je sais pourquoi, ça, ce sont mes petits cousins. Ça. Ah, c'est les petits cousins. Qui sont venus jouer. C'est les petits cousins. Ils sont hal dans le terre-terre. Ils sont en train de jouer, parce que ça, oui, c'est mon gamer tag. Et voilà, c'est pour ça, c'était un peu bizarre. On s'est dit, oh, mais il est hanté. Mais Xbox, tu as le don d'ubiquité. Mais dis donc, c'est ça. Ouais, c'est ça. Et voilà, oh là là, révélation, ils se connaissent, dis donc. T'arriveras même pas à me toucher, le gars, il se la raconte bien comme il faut. Parce qu'on est des ouf. Ça, c'est la logique. N'est-ce pas? Voilà, c'est ce qu'on va voir. J'aime bien l'histoire de sa souris. Ouais, elle est sympa. Et puis il a une tête. Enfin, il me fait penser un peu à Kara aussi. Il pense à, dans son physique. Même le fait qu'il soit tout seul. C'est pas faux, ouais. C'est pas faux. Dans un sens, mais pas trop quand même. Mais là, je pense qu'on va spoiler le facteur secret. Si tu as réussi à le gagner. J'espère y arriver. Il faut. Alors que normalement on le combat avec la forme qu'il avait avant. Voilà. Il y a une partie du combat qui est comme ça. Mais là on le voit tout de suite en mode sa vraie forme. Ça c'est le vrai Sasori. On peut direct parler de son style de combat, etc. Sa particularité. De quoi? À sa souris. Bah de toute façon on va le savoir à la fin. Enfin non mais pas à son histoire, mais au niveau de son style de combat on peut le dire. Ah oui bah oui bah. Donc en gros sa souris, comme grand-mère Shio, qui va le montrer juste ici, sont des mecs qui se battent avec des marionnettes. C'est le style des marionnettes et tout. Donc ils ont avec des fils de chakra, ils contrôlent les marionnettes etc. Et sa souris c'est un des maîtres dans ce style là. Et les deux marionnettes. Voilà, merci. Les deux marionnettes que vient de sortir grand-mère Shio, c'est les premières marionnettes qu'a créé Sasori, comme son père et sa mère en fait, puisqu'il est orphelin. Voilà, en gros. Tout a été dit. Faut le dire. C'est important. Et la première forme donc, de Sasori, c'est en fait une marionnette quoi. Ouais, voilà. Il se cache dedans. Voilà, voilà. Je vous offre le désespoir. Ouais, c'est un peu un mec. C'est pas un mec très joyeux, sa souris, dans la vie. C'est pas. C'est pas là, c'est pas pompé l'up. C'est pas trop ça, quoi. Si, on est prêt. Pas encore. Ah là là. Tu veux prendre une petite soupe? Voilà pour le poison. Ah ah. Parce qu'on se bat contre sa souris. C'est bien. Bonne technique, bonne petite astuce. Une petite astuce. Avant de combattre sa souris, faites-le plein de trucs anti-poison. Donc vous incarnez Sakura avec grand-mère Shio. Haruno avec grand-mère Shio. Contre sa souris. Qui se bat tout seul parce que c'est un badass. Et ouais. Tout seul mais en plusieurs. C'est vrai, tout seul en plusieurs. Avec son style, tu vois. C'est vrai, ouais. Et il va être très très plusieurs. Très très peu. Très très multiple. Très très multiple. Attention! C'est un style quand même assez particulier. Mais qui peut faire mal? Boum! Allez! Allez, je traverse son. C'est ça. Une grosse petite attaque. Boum boum. Voilà, bien joué. Ah! Et là? Attention, QTE! C'est Tipar! Vas-y, Black, concentre-toi bien! Ouh.
ça rigole pas. Très très bien mise en scène et très fidèle. Très très bonne mise en scène. Non, bon, en tout cas, regardez-moi ça. Donc, je vous rappelle pour ça, vous pouvez utiliser l'analogue. N'hésitez pas, c'est quand même beaucoup plus simple. Oh, il est beau. Alors là, il a chié au boum. Le bouclier. Elle est sur terre-terre, elle aussi. Hein. Merde, j'ai foiré. Alors, ça a été laborieux. On recommence. A, Y. Ah, voilà, c'est mieux. Boum. Fini, plus rien, plus personne. La puissance herculéenne, tu peux pas chercher. Et ouais. Bon, le problème, c'est qu'il a pas qu'un pantin, le con. Regardez-moi ça. Et voilà, il s'est transformé lui-même en pantin. Et ça, c'est violent. Et là, comme il dit dans le manga, c'est enfin dans l'anime, c'est un pantin avec lequel il peut envahir tout un pays. Pantin bloque aux approches. Ouais, là, donc en gros là, ce serait au centre en surélévation. Voilà, il faut y aller avec le B là. Et les pantins vont vous en empêcher de quelque manière. Donc là, faut bourriner une fois que vous l'avez pris en main. Il revient par terre, là vous allez le défoncer. Merde. Non, il faut le défoncer là. Oh, que foutu. Alors, à savoir que l'espèce de matière noirâtre là entre les blocs de roche vous ralentit extrêmement grandement de ouf. Ah ouais, donc, vous êtes vraiment enlisé. Donc là, il attaque avec les pantins et certaines d'autres techniques que vous voyez ici. Donc, voilà. Ensuite il remonte. Là voilà en fait voilà, il va se protéger avec les pantins autour. Là vous me demandez à Shio en soutien de venir pour le défoncer. Et vous recommencez cette phase. Donc là faut attaquer. Vas-y cours. Donc à savoir que c'est un truc qui va vouloir se répéter ça par contre. Pas mal. Le fait que dans une deuxième phase de jeu, donc avec la destruction de décor, enfin le changement de décor, etc. Souvent votre soutien va pouvoir être très utile pour en fait vous permettre d'attaquer le boss qui va en fait être voilà surélevé ou enfin voilà. Par exemple ici là encore une fois, vous avez Shio, elle nique les pantins autour de lui et voilà vous allez pouvoir refaire le B. Voilà. Dommage. Bien joué ça. Donc voilà, n'oubliez pas vos soutiens pour les combats de boss, ils sont très utiles. Ouais. Peut-être que tu pourrais faire une attaque de chakra, voilà. Ah merde, ça va être bien joué, dommage. Pas de chance. Alors, allez Shio, reviens. Shio, elle est pas là. Alors, elle est là. Vas-y, c'est bon, go. Allez, c'est parti. Burrita. On sent un combat maîtrisé quand même. De la part de Black Funky, c'est plutôt bien. Pour l'instant, voilà, ça va. QTE. Alors là, je veux pas faire la soirée parce qu'on a encore quand même assez loin. Bye, donc là, il va falloir y aller. Bien joué, c'est pas normal. Faut pas aller en dessous de 3, quoi. Shikamatsu. Et là par contre ça va être pas être simple. Bien joué. Boum boum boum. On sent tout ça bien. Admirez la mise en scène encore une fois. Ah merde, j'étais presque. Bon autant le foirer. X, Y, B. Ah ouais non merde, tu recommences tout. Ouais ça rend. Un peu laborieux là hein. Bon ça va, t'en fais pas. Merde! Ah là là! Tu veux que je le fasse? J'ai du mal. Attention, BRB. Voilà. Allez, 3. Ah oui. Ça, c'est quand même des étoiles données là. Ah ouais, c'est donné le bourrinage. La plupart du temps, il y a des bourrinages qui sont quand même hardcore. Certains bourrinages où on n'a pas forcément tous les. Même Ishio qui est quand même. Par exemple, celui-là, il est donné. Même Ishio qui quand même se démerde salement au niveau Ah Shio elle gère du elle déboîte gère des fesses hein. Même dans l'animé, c'est assez fidèle ce combat à l'animé, c'est ça qui est pas mal. Ce moment comment il m'a fait marrer dans l'animé. Merde. Bon ça ne va pas très bien quand même au niveau QTE Black malgré le fait qu'on ait les étoiles hein. Oula. Merde. Alors, pourquoi j'ai du mal comme ça? Que fais-tu? Merde. Non, touche pas. BXY. Merci. Oh là là. Insultez-le dans les commentaires. C'est plusieurs fois. Hein. Enfin, surtout la première fois.
Et bim, baseball, home run, on peut le dire. Home run. Petit facteur secret sur Sakura. Il montre que Sakura n'est plus ce qu'elle était avant. Ouais, enfin bon. Assez sûr, non. Là, non, d'accord, d'accord. Ça, là, c'est... je suis catégorique là. Non, ça, d'accord. Mais bon, comme facteur secret, ça aurait été peut-être plus stylé de le faire sur Sasori. Bon, quand même. Moi, je l'ai dit. Bien joué. Bien joué. Le rechercher. Le défi est pour l'instant tenu. Pour l'instant. On est qu'au deuxième. Pour l'instant, ça va. C'est déjà ça. J'avoue. Je vais pas me plaindre. Loin de là. Bon, par contre, hein, ils auraient pu te saquer au niveau des QTE, hein, parce que là. De quoi ? Ils auraient pu te saquer au niveau des QTE hein, un peu plus, hein, parce que. Ouais, ils auraient pu. Ouais. C'est vrai qu'en fait, les QTE, c'est vrai que quand vous les ratez, ça a pas vraiment d'effet. Enfin, c'est quand même un peu dommageable, parce que voilà. Ça enlève quand même tout le challenge. Parce que finalement, si vous voulez avoir tous les facteurs secrets, ce serait simple, il y a juste à foirer à chaque fois, et vous le recommencez. Vous connaissez par cœur, et voilà. Non mais c'est vrai. Tu les notes sur un papier, c'est bon. Non mais voilà. Mais là, que se passe-t-il ? Le poison. Et lui, il est sorti de là. C'était une coquille vide. C'était la super esquive de la mort qui tue. Sadomaso. Il y a une définition de la clémence qui est assez relativement relative. C'est la fin. Boom. Ça fait mal, ça. Forcément. Chiwe, elle en a encore dans le... dans les bras. Ça, c'est une grand-mère de ouf. Ah, ça, c'est une mamie de ouf. Hein. Elle est mourue. Bon, on vous laisse un peu les dialogues. Encore une fois, un moment dans l'anime qui est un moment dans le jeu qui est différent de l'anime. Ouais. Qui d'ailleurs se relie au moment où je te parlais de. Ah merde, j'ai perdu son nom. De Kankuro. Oui. Parce qu'à ce moment-là, quand Sakura a sauvé Kankuro du poison, elle connaît l'antidote. Ah, on a quand même un peu. Ah, quand même. C'est dans ça qu'il fait penser un peu à Gaara, en fait. Ils ont un peu la même gueule, hein, ça. En plus. Mm. もう術を使えば、むつみすら命を吹き込む。くだらねえ。大丈夫か、桜。はい。もう少しだったんだがな。しぶとく残りやがったか。大したガキだ。<笑>
Petite information. Attention. Pont du ciel et de la terre. Très stylé ce pont. C'est vrai qu'il est stylé en plus. Hein. L'un des laquais d'Orochimaru. Attention. Il y a une taupe. Plus ou moins. Il y a une taupe. D'accord. Il y a un taupiqueur. Ainsi finit sa souris. Des sables rouges. Et c'est ainsi qu'il mourra dans d'atroces souffrances. Ou pas. C'est même chaud le fait qu'il se transforme en pantin et tout. Légèrement. Mais on brûle trap, c'est qu'il pixelisé. Franchement, les gens de la Katsuki et l'immortalité. Hein. Ah, ils kiffent ça. Ah, ils adorent. Ah, ils aiment ça. Ils adorent. Ah, c'est des gens où l'immortalité. Ouh, explosion de saveur. Donc on se retrouve avec Kakashi et Naruto. L'autre combat. Face à Deidara. Encore qu'un peu de blabla. Ah, normal. Oh mon Ugara! C'est japonais, hein. C'est le Japon sans blabla, c'est pas du Japon. La gueule du piaf là. Je veux une sale tronche. It's you. J'ose même pas imaginer comment c'est en version anglaise. Ça doit être moche. Mais très très moche. Mais d'une mochitude. Allez, c'est parti. C'est Tipar. On combat avec Uzumaki. Ouais, on combat avec Naruto, soutien Kakashi, face à Deidara, tout seul. Face à la folle mèche blonde. La folle. Mèche blonde. Mais je plante. Merci. Je t'en prie, c'est un plaisir. T'es hitre. Allez, c'est parti, on commence. Avec 70 secondes. Ouais, c'est ça la classe. Bien joué. Ah, il enchaîne. Bon, c'est pas mal du Rasengan. Rasengan. Avec cette technique d'explosion à distance, ces petits oiseaux explosifs, ultra casse-couille. Voilà, c'est ça. Bon, là, je speed un peu. C'est bien, c'est bien. Il faut, il faut. Mais oui, donc vous l'avez vu, hein, il me semblait. J'ai caché le mot de la fin. Non. Même pas, il veut pas. Oui, donc j'étais plus sûr, mais il me semblait bien. C'est pas vraiment un combat de boss en tant que tel. Ouais, voilà. Et pour une raison simple que vous allez voir tout de suite. Quoi? Pour une raison simple que vous allez voir tout de suite. Ah oui, oui. Quelle transition magnifique. Alors là, t'as bien joué. Ah, t'as vu, c'était beau. Hein. Y'a rien à dire. Bon, petite note. Bien joué. Je veux dire que ça a été assez rapide. Oh, Togo. Oh. Ebi passe à l'action. Ah ouais, t'as toute la team Ebi pour toi. Quoi. Ah d'accord. C'est cool. C'est une team qu'on va connaître son. Un succès. Voilà. Quoi. Tu vas voir quoi. C'est bien. Tu vas voir. La team Baby. Le gros chat. Une team importante en plus.
Dennis Reed. Surtout quand. Qu'est-ce qu'il est mal avec la technique des clones de Naruto. Ah ouais. Une technique qui va beaucoup servir, notamment pour l'entraînement. D'ailleurs, c'est pas dit ça dans le jeu. Non, je crois pas. Pas du tout, il me semble pas. Je crois pas. On expliquera en temps voulu. Ouais. Et voilà pourquoi en fait c'est pas un combat de boss en tant que tel, c'est que Deidara fout le camp. Ce petit bâtard, donc on ne le tue pas réellement, donc ce n'est pas le combat de boss en tant que tel. Parce qu'il fuit comme un pleutre. Exactement. Tel Juan Martin del Potro. Oh non, 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 non. Pas cette blague. Pas cette blague. Traduction française, Jean-Martin le pleutre. Pas cette blague. Ça ne veut rien dire. Ça ne veut rien dire. On est d'accord. Oh, Jerican, oh, casse-toi. Jerican, le pélican. Merci. Oh putain! Ah, tu vas arrêter de me pousser! C'est pas bien de pousser les gens, c'est pas poli. Je ne te pousse point. Ouais, c'est ça. Et en plus, tu mens, c'est pas bien. Je ne te pousse point. J'adore la maîtrise du geste! Tout est dans la souplesse. C'est ça. C'est ça? Gara! En plus, normalement, autour de Gara, il y a beaucoup plus de monde. Ah non, c'est après. Non, non, c'est là. Tout de suite, tout de suite. Normalement, c'est là. Tout de suite, tout de suite. Non, mais. Bah oui. Je me souviens plus. Je ne me souviens plus, je ne pourrais pas. C'est au moment où ils essaient de le réanimer et tout. Ah, c'est là. Il y a tous les pères. Il y a aussi tous les. Mais ils viennent pas pendant le village. Non, non. Ah, d'accord. Normalement, c'est ça. Hein. Voilà, instant émotion. Je pense qu'on va vous le laisser un petit peu. Pendant ce temps-là, on s'étire et on se remet bien le doigt en place. Voilà, ça va nous permettre cela. Parce qu'on a mal. On souffre. En mode pleurage. J'aime bien quand on n'a pas le son parce que hurle, hurle, hurle. Tu vois, hurle, hurle, hurle. Tu veux le casque ? なんでなってばよ。ガーラ君、生き返らせる。生き返らせるって、そんなこと、本当に転生忍術であれば。でもあれは、自分の生命エネルギーを分け与える、千代婆様が、自分の命を懸けて。 Pas facile. Elle galère, la vieille. Elle galère. Faut venir l'aider. Assistance à personnes âgées. Bon bah là il y a du chakra jusqu'à plus soif. Avec Naruto c'est sûr. Là ça s'arrête plus là. Je
Il est toujours paumé dans la matrice. Il est toujours dans la matrice. Dans le vide intersidéral. Il aime le mascara. On l'a déjà fait plein de fois celle-là. C'est vrai que il aime la profondeur de ses yeux. Attention, non, hop là, attention au micro. Et voilà, Gara résurrectionné. C'est la puissance de Shio et de Naruto. Ah bah tu vois. Ah bah voilà. Voilà. Non mais ils sont là en même temps. Voilà, non mais voilà. Voilà. Dans l'anime ils sont là en même temps. Alors fais pas chier. C'est vrai que tout le monde est venu te sauver. Bon, c'est une conception des choses quoi. J'avoue que bon, qui appelle ça le boulot. Oui, de sommeil. C'est beau là. C'est beau la foi. C'est beau l'espoir. C'est bien, petit blondinet débile. Un gros chat. Mate le chat. Oui, elle est mourue. Grand-mère is dead. Prions, bande d'infidèles. Charlemagne. Loi Ding. Loi d'Inge. Loi d'Inge. Et là, en dehors des remparts de Suna. On va repartir. N'est-ce pas? Très expressif toujours. C'est un moment intense, voyons. Regardez-moi cette phase de bite. Pourquoi c'est méchant comme ça? C'est pas bien.
lui tend la main en signe d'amitié et de respect et de... Bon, ok, c'est n'importe quoi, mais bon. Si c'est pas beau, ça. Deux Jin Shuriki, comme ça. Enfin, non. Gaara n'en est plus un. Ah, mais ouais! Eh oui, il a plus! Eh ouais! Il a plus de chakra. N'est plus un autre! Ouais, du coup, il est moins bon. Non, il garde toujours sa grande quantité de chakra. Qui lui a servi pour contenir Shukaku. Ah, d'accord, parce que la quantité de chakra vient pas du démon. Il y a une partie qui vient du démon, voilà. Mais il faut déjà à la base être bien costaud hein, pour supporter un. Faut être costaud le chat, faut être costaud! Comprends? Comprends le chat? Un démon renard? Comprends? Faut être costaud dans son être. Hein. Ah ouais, ça sent. Donc, c'est là-dessus qu'on va se quitter. Brah! Avec la petite sauce. Brah! Ouais, si, c'est beau. Non, c'est moche. Si. C'est moche. Votez dans les coms, vous kiffez les brah. Non. Ah merde, il y a encore une cinématique, putain. Ça va faire longue taille. Eh, tiens, c'est pour toi ça. Ah non, je ne veux pas entendre ça. Oh, putain. Il l'entend! Et le chat te fait chier. Non, gros chat. C'est bien fait. Il te récompense pas, il te sanctionne. Il me sanctionne, oui. J'ai goûté les frites. Attends, parce que là, on met l'âge de fil. Mélange l'âge de fil et il s'assoit en plus dessus. La synchro avec le mouvement n'est pas officiel. Très synchronisé. Voilà. Ah tiens. Le passage. Attention, c'est qui a la manette là? Sora Akisuke. Super. Dans un moment d'action absolument épique. C'est ça, tu vois, on a confiance en moi, tu vois. On te confie le destin de le village. Attention. Et toi, le chat, ça coûte le poing là. Une espèce de grosse boule de poil. D'ailleurs, on n'a pas vu, mais il faut savoir que dans l'animé et dans le truc réel, Kakashi, au moment de se battre contre Deidara, va utiliser son Sharingan pour lui exploser un bras. C'est vrai. Voilà. Il a envoyé, je crois, son bras dans une autre dimension, un truc comme ça. Un truc comme ça. Et en vérité, il n'y a pas réellement de combat entre eux, puisqu'en fait, l'autre fuit sur son oiseau et ils essayent de le buter en le poursuivant. It's true. Voilà. Il me semble. Une autre poupée maudite a été trouvée. Voilà, tout il ça. Il faut, voilà, blablabla. Etc. Donc nous, on va se laisser là-dessus. On va pouvoir les sauvegarder. Vas-y. On va se laisser là-dessus. La suite va arriver incessamment sous peu. De manière inopinée ou pas. Les quêtes annexes. Les quêtes annexes sont toujours halt. Donc votez encore une fois si vous ne l'avez pas fait pour savoir si on fait les quêtes annexes ou pas. Vous nous demandez. Si c'est oui, bah ce sera oui. Et si c'est non, on les fera pas. Voilà, c'est vous qui décidez. Autre chose à dire. Rien d'autre. Bah comme d'habitude. Simplement que là, on va juste aller voir Tsunade, mais ce sera dans le prochain épisode. Voilà, le prochain épisode. Donc comme d'habitude, pouce en l'air, abonnez-vous. Ah oui, si d'ailleurs, on a fini suivre. Chapitre 1. Sauver le Kazekage. Oui, effectivement. Ça, voilà. Donc voilà. On se dit à plus tout le monde. À plus.